Salut, c'est Maillard. Nous allons continuer d'expérimenter de nouvelles compétences, de nouvelles combinaisons, notamment avec la venue du nouveau tueur, le Oni, avec ses capacités liées au sang. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un trappeur de sang avec quoi ? Avec des combinaisons de perks liées à l'affaiblissement des survivants. Donc, nous allons faire une combinaison de 4 compétences. Nous allons prendre Thanatophobie, qu'on connaît très bien grâce à l'infirmière, qui consiste à ralentir les survivants quand l'un d'entre eux est blessé. Un deuxième qui est Boucher Sadique, qui en plus, celui qui est blessé par le tueur, eh bien, se retrouve estropié. Et enfin, nous allons prendre comme troisième paire combinée, nous allons prendre la compétence Blood Echo, qui est celui du Oni, qui consiste à accrocher un survivant, et lorsque ceci est fait, eh bien, ceux qui sont blessés souffrent du statut d'épuisement. Et en quatrième compétence, on a pris Espion des Ombres pour nous aider à retrouver les pauvres malandrins qui oseraient se cacher dans les forêts. Donc voilà, avec cette combinaison, je suis sûr qu'on va pouvoir faire des ravages. Et en plus, on a poussé le concept plus loin en prenant comme accessoire pour le trappeur des pièges qui blessent si, et seulement si, les survivants commettent l'erreur fatale de vouloir les désamorcer. Je vous laisse voir le résultat. Bien, 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 c'est parti, man. On teste des combinaisons de compétences qui peuvent être totalement fifoles. À commencer par celles qui vont permettre de marquer le sang des survivants. J'ai des compétences qui principalement épuisent les personnages et l'objectif c'est qu'ils soient non seulement blessés, qui mettent du temps à se soigner, mais en plus de ça, que ce soit un calvaire. J'entends par là l'utilisation de la perque du Oni qui va les mettre en grande difficulté. Normalement, combiné à Boucher Sadique, à Thanato, donc compétence de track, compétence également. Ok, salut les gars. Et bien. Petite Thanato, on va la laisser tenter de se soigner, on va revenir vers le Bill. Salut Bill. Bill qui va. Je t'ai vu derrière. Fais tomber la palette. Deux blessés. Et trois blessés, vas-y. Eh oui, j'attendais qu'une seule chose, c'est que tu sois vraiment blessé dans la mesure où... Oh, oh. Mauvais calcul. J'ai dit quoi? Bon, quelqu'un d'autre. Ils sont tous blessés. Il y a la compétence de... C'est pas mal. La compétence Yoni qui les met tous en grande difficulté là. Ils sont en épuisement. Ils sont également en inconscient. Ils ont un boucher sadique. Ils sont Thanato. C'est l'horreur. L'horreur à gérer pour eux. Parce qu'ils doivent se soigner. Mais ça va mettre 15 millions d'années pour se soigner. Celui-là très efficace, hein. Il doit être par ici. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui. Là, c'est pareil. Je vais laisser continuer à saigner. Je vais pas la récupérer tout de suite pour la simple bonne raison que je vais attendre que ma compétence du Oni revienne à zéro. Ce qui est quasiment le cas. Là maintenant, du coup, je peux la récupérer. Voilà, et ceux qui sont blessés vont souffrir de nouveau de leur élément. Ah,
D'accord, très bien. Il y en a un qui a tenté de... Il y en a un qui a tenté de détruire un piège. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce sont des pièges qui blessent. Donc on est vraiment dans l'utilisation de compétences. Allez, reviens par là. Fais le tour. Ça va être compliqué pour toi. Ok. Alors ça sert à rien que je laisse ce piège ici. Hein. Donc je vais récupérer. Il faut que je le concentre vers les autres moteurs. Et je pourrais faire quelque chose d'assez fourbe. Hein. Bon, lui il a détruit un piège, mais du coup il en a payé le prix. Ah non, il l'a décroché. Et j'ai espionné des ennemis. Parfait. Oh, elle a une clé dans les yeux. Et j'ai l'autre aussi, juste là. Parfait. Et elle, elle a une clé. Et j'ai mon bill qui est juste ici. Alors, est-ce que je vais être présomptueux au point de... Ouais, là j'aurais pas dû le suivre. J'aurais pas dû le suivre comme je le fais là. Je laisse le temps aux autres de se soigner, faut que je retourne vers les personnages qui sont juste ici. Ils vont pouvoir se permettre de... Ok, je l'ai vu. J'ai tenté le coup de poker. Et elle va tomber. C'était sanglant, je les ai empêchés de progresser. Et ce sera lui. C'est quoi là? Bah non. Et tu verras. Voilà. Parfait. Alors. Je vais récupérer Bill. Une compétence pour se relever. Non, je vais pas faire le présomptueux. Elle, elle avait une clé. Non, je vais pas faire ça. Elle, si je me souviens bien, elle avait une clé, donc ça m'arrange pas trop. Donc, on va se rappeler de jouer la prudence quand il le faut, et de jouer l'insolence quand il le faut. Les combinaisons là, pour ralentir, pour semer, la pagaille est immense. Notamment au vu de, du ralentissement de la progression. C'est un autre pari que celui de la ruine. Hein. C'est vraiment un pari de plutôt d'oppression, hein, j'ai envie de dire. Où sont les autres? Où sont les autres? Là, je les ai vraiment oppressés. C'était très sanglant. Ils n'ont pas dû, évidemment, se rendre compte de, du caractère insidieux de ces pièges, hein, parce que grâce à l'espion des ombres, je savais où est-ce qu'il était. Et là, en utilisant la compétence du Oni qui les met en difficulté, tous ceux qui sont blessés ne fait que refermer les taux. Hein. Il y a une sorte de, d'augmentation de la difficulté progressive. Plus c'est violent, plus c'est violent. Thanato est bouché sadique. En soi, ça apporte un ralentissement assez violent. Ajouté à ça, nous avons l'élément qui est somme toute assez, on va dire, insistant du de la perque qui améliore le saignement, donc Thanato, boucher sadique, ainsi que la compétence du Oni, apporte une surprise inégalée. On est tout dans le sang, finalement c'est le piégeur de sang, c'est l'équivalent non pas du Oni, hein, parce que le Oni a sa capacité bien à lui, mais en plus de ça, il y a...
l'accessoire qui joue un grand rôle et qui fait qu'il blesse à chaque fois que quelqu'un tente de désamorcer un piège. On est pas mal. On est pas mal. Je sais pas où est le dernier. Il y a peut-être une chance insolente. Il va peut-être avoir la trappe. Ce serait une bonne manière de finir. Peut-être que les corbeaux réussiront à m'indiquer où se trouve le dernier. Aucune idée. Non, je ne sais pas. Allez, une histoire qui finit bien? Ou pas? Ah, il était en haut. Très bien.